Tout c'est Anthony. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Une vidéo setup. Alors, pour ceux qui vont faire, ouais, mais tu montes tous les ans. Alors, je les monte à chaque évolution. Par exemple, là, dans mon setup, dans ma gaming room, qui s'est devenue gaming room, enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo setup? Parce que déjà, ça peut intéresser du monde. Et je travaille dedans, entre guillemets, bien sûr. Donc voilà, c'est pas pour me la péter, mais quand il y a eu beaucoup de changements, et ben, je vais vous faire une vidéo. Ah oui, et je pense qu'à chaque année, quand il y aura un gros changement, je vais vous faire une vidéo setup. Donc voilà, et on va pas commencer par le setup qui est là, ni setup invité, ni le nouveau petit coin, mais par le décor et autre chose. C'est parti. Du coup, c'est quoi ça? Ça, c'est une boule disco offerte par Bouygues, parce que pour ceux qui m'ont suivi sur mon Insta, d'ailleurs, instant une description. Et bah, j'ai eu des problèmes de connexion avec Bouygues, ma botte, ça m'a lâché. Et comme on est fidèle, on a eu des points Bouygues. Du coup, et bah, ils m'ont offert ça. Donc, j'ai fait un très beau cam management. En même temps, d'un nouveau téléphone, ils m'ont offert ça. Mais le téléphone, j'étais obligé de le payer quand même. Ils m'ont offert ça. Du coup, je dis, bon, bah, ça peut être bien dans le setup. Et la preuve, regardez, ça fait un petit peu stylé lors des lives. Bon, je le fais pas pendant les vidéos parce que ça m'intéresse pas, mais pendant les lives, ça m'intéresse. Donc voilà, on voit pas trop le câble, surtout quand je suis en live. Ici, vous avez un cadre avec des dessins. Joker fait pour moi-même. Le Joker, je kiffe ce personnage pour une simple et unique raison, via son nom, et parce qu'il est complètement fou. Et je me dis, dans la vie, tu n'as pas de Joker, par exemple, je dis une connerie, tu te pètes le bras, ou tu vas en taule, et ben t'as pas la carte Joker pour dire je veux pas aller en prison. Donc, pour moi, ce personnage, il me fait kiffer parce que dans la vie, on n'a aucun Joker. Pikachu, que j'ai dessiné en vidéo. D'ailleurs, la vidéo va peut-être être en description. Pourquoi bandeau noir? Parce que je trouvais ça stylé. Ma copine m'a aussi fait un R2D2 en pixel, vu que je suis un grand fan de Star Wars. En parlant de Star Wars, elle m'a fait BB-8 avec un cœur. Elle m'a demandé si elle pouvait mettre un cœur. Je lui ai dit oui, parce que. De 1 parce que tu m'aimes, et de 2 parce que ça représente la vie. Là, c'est le dessin d'un abonné, bon, vous commencez à le connaître, d'un abonné et d'un ami. Ben, c'est mon ami qui est abonné qui me l'a fait, donc voilà, c'est super. Ici, un petit logo YouTube, alors je sais plus si ça a été fait par ma copine ou par ses soeurs ou par quelqu'un d'autre, je ne sais plus, je pourrais plus vous dire. Le petit Spirit of Gamer que j'ai eu avec mon gars. Et ici, vous avez un Mario. Donc Mario, pour moi, c'est presque tout mon enfance parce que j'ai joué à Mario Kart et d'autres. Zelda, j'y joue un tout petit peu, mais pas énormément. Asket ancien, parce que j'aime bien les trucs vintage. Le sabre laser, que force avec toi. Un Stormtrooper. Le logo YouTube que j'avais fabriqué. La petite banderole YouTube Gaming. Ah, je sais plus comment il s'appelle ce skin. Je crois que c'est Nounours, je sais plus. Moi, j'appelle comme ça. Moi. Alors moi, plutôt mon panneau LED Anthony 56. Pour ceux qui ont connu, les petites voitures Kinder. Voilà, alors là c'est mieux. Les petites voitures Kinder. Voilà. J'en fais la collection parce que ça fait partie de mon enfance. Ici, vous avez les canettes Monster Energy Black Ops 4 ou 3. Alors pourquoi? Pour la simple unique raison. Comme j'adore le gaming, j'ai dit, tiens, ça fait une référence. Et vu que ce jour-là, j'avais vu ça, je fais, ah, je vais la prendre. Un coin, mon petit coin F1, vu que j'adore F1, et j'y joue. Mignon, parce que eux, je trouve trop délirant. Le sniper avec lequel j'ai tiré dans Matisse, sans faire exprès, mais pas bout portant, il y a eu un bleu. Matisse ou Brandon, ou je sais plus, bref. Les balles du sniper. Et un petit cadeau de Bubber, donc @badman.off. Bah, je vous marquerai son Instagram qui me l'a fait en quand j'étais au lycée, en cours de lycée. On s'ennuyait, m'a dit tiens, pour toi, cadeau. Et du coup, j'ai mis dans le décor. Ensuite, mon petit décor Star Wars. Je vais vous montrer ça comme ça, tout doucement. Voilà, avec Han Solo, Chewie. Lui, si je me trompe pas, c'est Lando Clarissant, Stormtrooper. Lui, c'était un des premiers peuples, Stormtrooper. Réo Durant, Skype Stormtrooper, Vador.
un stylo donné par ma copine et ses parents en Star Wars. Donc voilà. Le coin Avengers, parce que je suis un grand fan d'Avengers. Donc là, vous avez Captain America, Hulk. Le bouclier Captain, le porte-clés Avengers, le gant Thanos, le jeu Lego sur Nintendo. Sur Nintendo, sur DS, parce que j'ai la DS. Iron Man. Alors, la Thor en édition illimitée. C'est marqué juste ici. Si j'aime bien faire le focus. Il peut faire le focus. Bon, vous voyez, c'est marqué spécial édition. Et derrière, Black Widow. Offert par Alexa. D'ailleurs, je vous mets la vidéo quand elle est venue me l'offrir dans la description. Bon, ici, vous avez un petit coin. Donc, FIFA 19, parce que champion du monde. Hein. Ma Ferrari. Mais en Lego. En mécano. La Corvette, parce que je l'ai dans GTA. Et le logo du Stade Rennais, même s'ils sont en... S'ils sont pas très bien cette saison. C'est ma mère qui me l'a offert pour mes 20... pour Noël. Donc voilà, donc j'ai mis là. Parce que je voulais de la lumière aussi. Mon coin Pokémon, qui va bientôt être agrandi. Mais deux livres Pokémon, d'ailleurs. Mes jetons Pokémon. Et là, ça va être mon petit coin Mario. Ici, c'est mon petit coin Mario. Et là-bas, c'est mon petit coin Fortnite, mais il n'y a pas grand-chose. Mon coin PS4 avec tous mes jeux. Et là, ça va être un coin rétro. Bon, donc, par exemple, vieux caméscope, mon premier micro. Là, vous avez une tasse Game Boy. Derrière, l'appareil photo. L'appareil photo, là, que vous voyez, c'est lequel, avec lequel j'ai fait mes toutes premières vidéos. Et le PC, c'est avec lequel j'ai fait mes toutes premières vidéos sur mes anciennes chaînes. Du coup, bah, il est foutu en plus, j'ai dit. Et on va pas le mettre à la poubelle, on va le garder. Et en plus, on peut pas avoir la marque à l'envers. Voilà. Mon casque pour faire du vélo. On va dire, ouais, mais ça sert à quoi? Eh bah, ça sécurise beaucoup. Parce que, une fois, bah, je suis tombé par terre. Pour un peu, j'aurais eu la mâchoire cassée ou autre. Bref. Et le micro que m'a offert Gwen. Donc, merci à toi, Gwen, membre de la team Antonis. Donc, voilà. Bon, et bah, je crois qu'on va passer. Je crois que vous avez vu un bout du setup. Mais je crois qu'on va passer au petit nouveau coin. Bon, je vais pas vous éclairer avec mon téléphone. Voilà. Mais le petit nouveau coin, le voilà. Un clic-clac. Pourquoi? Parce que, à chaque fois. Alors, pour les anciens qui se rappellent, ici, il y avait un lit. Mais le lit, il a tiré dans la chambre de mes parents, bref. Et du coup, eh ben, je pense un petit claque comme ça, ici, ça peut être bien. Par exemple, quand j'ai du monde qui vient, eh ben, au lieu qu'il soit sur le lit, tout le monde a de la place. Parce que un petit claque, logiquement, ça peut accueillir 4 personnes. Avec des chaises ici, donc 6 personnes. Une table avec un puissance, ou je sais plus comment ça s'appelle, un puissance 4, t'as une autre puissance 4 si je me trompe pas. Ça, je sais plus comment ça s'appelle. Et il s'est barré. Hop, on a la vue. Et ça, c'est un puissance 4 que j'avais fait au collège. Donc voilà. Et du coup, eh ben, quand vous êtes assis, je vais pas vous montrer le setup là. Voilà. Vous voyez ça. C'est quoi ça? Mais c'est quoi ça, Antonis? C'est quoi? Bah, c'est quoi? Vous savez ce que c'est? Hein? Est-ce que vous savez ce que c'est? Non? Bah attendez, déjà je vais reprendre mon téléphone pour éclairer un petit peu là-bas. Parce que, bon, c'est peut-être gênant ce que je viens de dire. Vous savez ce que c'est? Non, non, bref. Mais on va pas commencer par le setup. On va commencer par le volant. Donc, je l'ai acheté, le volant, 300 euros. Il fonctionne sur F1 Farming, mais il fonctionne pas sur Euro Truck Simulator 2. Alors que de base, je l'avais acheté pour ça parce que j'ai vu que des youtubeurs streamaient et faisaient des vidéos avec. Impossible. Et le support volant, je l'ai acheté au mois de septembre. Je l'ai monté tout ça. Et franchement, rien à dire. C'est très, très, très utile. Ça prend pas de place. Et ça t'évite à chaque fois de démonter ton volant du bureau, le remonter, le démonter, le remonter. Et j'ai juste à prendre le support volant et à le mettre tout près de mon bureau, comme ça je joue.
Voilà, aux jeux que je veux, F1, Farming, voilà. Et si, on va dire un bout de mon setup, bref. Alors, le sopalin, c'est parce que j'avais mis une bouteille ici. Et c'est pas parce que je me vois là, mais j'avais mis une bouteille ici. C'était mouillé. Bah, d'ailleurs, c'est plus mouillé, mais j'ai préféré absorber comme ça. Bref. Du coup, ici, c'est quoi? C'est le setup invité. Donc, vous allez dire, ouais, mais il n'y a pas beaucoup. Alors, je vais vous expliquer. Le micro, c'est un micro que j'avais acheté, mais je n'utilise jamais. Voilà. C'est un Trust. C'est XT, bah, comme le mien d'ailleurs. USB, avec son petit filtre anti-pop. Là, vous avez un support USB d'ailleurs, aussi que j'avais, mais que j'utilise plus parce que j'en ai un nouveau. Là, vous avez un casque que j'utilise plus parce que bah, j'en ai acheté un nouveau parce que je sais plus, il fait un drôle de son ou on n'a entendu que d'une oreille, bref. Et là, vous avez une carte son pour USB. Pour ceux qui veulent pas, qui veulent utiliser les deux, ils ont juste à brancher la prise USB sur leur ordi et c'est bon. Et la télé, ça servait à quoi? Bon, par exemple, je dis une connerie. Si JB vient à la maison, et bah, au lieu qu'il amène deux PC, parce que je pense qu'il va pas venir avec un PC fixe, au lieu qu'il vienne avec un PC, et bah, il vient juste avec son PC portable. Il met son PC portable ici, donc ici, oui, à côté du micro, tout ça. Et par exemple, quand il live, il a juste à. D'ailleurs, il faudra que j'achète ça. Le câble HDMI, il a juste à brancher le câble HDMI. Brancher le câble HDMI sur son PC. Pour ensuite, eh ben, faire un double écran. Comme ça, ici, il y a le chat. Ici, il y a le chat plutôt. Désolé si je cadre mal. Et ici, il a son PC pour jouer ou autre. Bon. Vous allez dire, c'est pas centré. Je sais, c'est pas centré. Mais c'est pas de ma faute. J'ai un petit bureau. Je fais comme je peux. D'accord? Merci. Après, vous allez me dire, ouais. Tu aurais pu mettre l'écran là-bas. C'est vrai, mais après chaque invité, par exemple, je pense que je vais pas en avoir beaucoup, mais si JB veut mettre l'écran ici, c'est comme il veut. Après, il faut voir niveau prise tout ça. Et là, on va passer à mon setup. Mais ce setup invité, je pense qu'il est vraiment pas mal parce que ça évite à un mec de ramener tout ce qu'il faut, micro, etc., etc. Et quand j'avais mon ancien bureau de livre, j'ai dit, allez, on va faire ça. Et ça peut être pratique, comme pas pratique, mais je sais, je vais pas avoir des invités tout le monde, mais ça peut être vraiment pratique. Et là, attention, on va passer à mon setup. 3, 2, 1. Non, voilà, j'attends que vous likez. Allez, t'as liké? 3, 2, 1, go. Voilà. Mon nouveau setup. Voilà. Donc, on va passer ici après, mais on va passer là-bas. Donc ici, vous avez la F1. Je suis un grand fan de F1. Donc là, c'est la casquette de 2005 ou 2006 de Renault quand ils ont été champions. Et là, pour ceux qui m'ont suivi, je crois que j'ai réutilisé mon téléphone. Pour ceux qui m'ont suivi sur Instagram, et obligé, vous connaissez cet accident. Si vous ne le connaissez pas, ben soyez à jour. Alors, 28 secondes pour vivre. Et vous voyez, là, Romain Grosjean, dans les flammes, il y a eu un accident spectaculaire. Voilà, la monoplace s'est encastrée dans le rail que vous pouvez voir juste ici. Et elle a pris feu, il était piégé, il s'en est sorti dans les flammes. Mais bon, et pourquoi ce cadre? Pourquoi je l'ai encadré? Parce que c'est là que je me dis. En fait, la vie ne tient qu'à un fil, en fait, parce que c'est un grave accident que j'ai jamais vu, et la vie ne tient qu'à un fil. Donc, du coup, quand je vois cette photo, ça me fout la chair de poule, mais ça me motive aussi parce que je me dis, putain, lui, il s'en est sorti, pourquoi pas moi? Alors, je dis comme ça, par exemple, il m'arrive une couche, je peux faire, pourquoi pas moi? Lui, il est arrivé. Bref. Ensuite, on passe à mon nouveau petit coin. Donc, là, c'est Evoli. Et ici, vous avez un petit coin, j'ai juste bougé ça. Vous avez mon coin, je crois, en fait, à chaque fois, j'ai une lumière, mais je crois qu'il faut que je la mette à chaque fois. Ah, là. Et ici, vous avez mon petit coin. Bon, là, vous avez mon trépied de caméra. D'ailleurs, ma caméra, c'est une Kodak, je vais vous la mettre en photo maintenant. Voilà. Donc là, vous avez mon trépied de caméra. Ici, une de mes GoPro, la noire ne fonctionne presque plus, je crois.
mais la blanche fonctionne. Black Panther, alors Black Panther, je ne sais jamais s'il est dans Avengers, mais je pense pas. Harley Quinn, parce que c'est un de mes personnages préférés avec le Joker. Un t-shirt jamais fumé et je ne fume pas. Et un chargeur de téléphone. Et Mera de Aquaman. Putain. Mera de Aquaman offerte par les parents de ma copine à Noël. Du coup, bah, je les remercie parce qu'ils savent que je suis fan de comics et Aquaman, je kiffe. Mon pot à crayon. Je pense que vous vous en foutez. Attendez, hop. Ma manette de jeu pour jouer sur PC, c'est en fait, si vous voulez, c'est juste une manette PS4 avec un USB au bout. Donc voilà. Ensuite, niveau micro, c'est le micro que Gwen m'a offert. Donc c'est un CST. Donc oui, le filtre anti-pop il est en haut. Parce que disons, pour les lives, c'est pas pratique. On voit pas tout le décor. Donc voilà. C'est un CST que Gwen m'a offert. Ça va faire 9 mois, 10 mois que je l'ai. Et franchement, aucun truc à dire. Il est parfait. Encore merci à toi, Gwen. Voilà. Bon, mon clavier, vous commencez à le connaître. L'écran aussi. D'ailleurs, on vient de passer les 725 abonnés. Merci. La webcam. Je viens pas de recevoir ça, mais j'ai une ring light depuis longtemps. Et franchement, ça change ma qualité de l'éclairage. Ma télé. Mon casque pour la play. Ma Play 4, ma manette, ah oui, ma souris que j'ai changée récemment. Et si vous avez planning de mes vidéos, donc c'est toutes les vidéos que je prévois pour le jour, pour chaque jour. Et ce que je vais faire par exemple le jour, donc par exemple, vous voyez, aujourd'hui tournage, mon nouveau setup, mercredi. Donc voilà, juste ici. Voilà. Et je sais pas si vous avez pu voir, mais il y a un truc qui a changé. Vu que mon ancien bureau est là, bah j'ai un nouveau bureau. Un peu plus grand, plus stylé, je trouve. 145 euros. Ah oui, j'ai monté en live sur Instagram. Donc, sur Instagram. Merde, merde. Oh. Sur Instagram, vous ratez beaucoup de choses, ceux qui sont pas abonnés sur mon Instagram. Vous ratez beaucoup de choses. Et pas qu'à peu, vous ratez énormément de choses. J'ai monté mon bureau en live Instagram. Oui, parce que je peux pas faire de la beauty. Bref. Bon, bah moi, je vais vous laisser là. Merci d'avoir regardé la vidéo. Donc, pour les comprendre. Ah oui, il y a aussi mon PC VBOSS qui a eu 1 an. Attendez. Je pense que vous allez mieux le voir comme ça. Ouais. Mon PC, voilà. Les composants du PC seront en description. Le casque aussi. Spirit of Gamer. En fait, j'ai presque tout Spirit of Gamer. Bon, là-bas, vous avez un beau petit cam management. Je préfère avoir des câbles comme ça que des câbles comme là-bas. Voilà, je monte le PC. Mais, comme je disais, tous les composants du PC seront en description. Donc, vous en faites pas. Certains vont faire, ouais, mais tes composants sont peut-être nuls. Mec, le PC, il a quand même 1 an. J'ai pas changé maintenant. Je pense dans 2-3 ans, même, je sais pas dans combien d'années. C'est prévu que je garde le boîtier, mais que je le rende encore plus performant parce que. Quand ma Play va être foutue, je vais pas en racheter une. Hein. Je vais juste tout mettre sur mon PC. Donc Fortnite. J'ai déjà Rocket League, mais en fait, je vais avoir carrément double PC, je pense. Donc voilà. Parce que ça se fait et c'est mieux. Et mon petit siège, comme vous commencez à savoir. Voilà. Bon, bah moi je vais vous laisser là. C'était Anthony. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et t'abonner. Ciao!